Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du club, la Ligue des Champions Vedettes. Et quelle soirée encore, le football dans toute sa splendeur, le football, le vrai, c'est la Ligue des Champions, comme nous le dit souvent quelqu'un qui est parmi nous tout le temps, mais pas ce soir, Reda Allali. Le Real Madrid et le Bayern de Munich qui prennent bien entendu une très sérieuse option vers une qualification pour le dernier carré. Demain, la suite des épreuves avec les deux derniers quarts. Le derby british entre Liverpool et Manchester City, puis le Barça qui reçoit l'AS Rome. Julie Rosselin, bonsoir. Bonsoir Jalal, bonsoir à tous. Amine Rahmouni, bonsoir. Bonsoir, vous êtes particulièrement dissipé ce soir, je trouve. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais l'émission ne fait que commencer, tu ne peux pas avoir un jugement. Elle a commencé un quart d'heure avant le début. Tu ne peux pas avoir un jugement pareil. Elle a commencé un quart d'heure avant le début. Tu ne peux pas avoir un jugement. Nous avons un jugement pareil. Je suis un peu, je ne suis pas dissipé, mais je suis impressionné par la super belle coiffure de Julie Rosselin. C'est marrant, j'avais le pressentiment que tu allais me dire ça. Eh bien, c'est ça. Et j'aimerais bien avoir le numéro de téléphone de ton coiffeur. Je vais te l'envoyer. Et son nom par WhatsApp. Son nom déjà. C'est Abslam. C'est Abslam. Et ben on le salue, Abslam. On le parce salue, que on l'adore. Là, il a fait particulièrement du super boulot sur Julie, un peu moins sur Amine et moi-même. Je vous rappelle. Il n'a pas touché les cheveux de Amine. Amine refuse qu'on lui touche les cheveux. Ils sont naturellement. Naturellement beaux. Donc, les amis, si vous voulez apprécier la belle coiffure de Julie Rosselin, bah, le hashtag le club, bien sûr, et vous pouvez bien entendu nous suivre sur Facebook, le Facebook Live, sur la page de votre chaîne Média1 TV. Je vous rappelle que cette émission est retransmise également sur les ondes de Média1 Afrique. Avant la Ligue des Champions, mes amis, le Maroc, avec la Fédération Royale Marocaine de Football, qui conteste le système de notation et les critères techniques de la notation est retenue par la FIFA pour la sélection du pays hôte du Mondial 2026 en s'inquiétant de l'équité du processus. Avant d'en parler, on va aller du côté de Paris où nous attend notre consultant Hervé Penaud. Passer le code, ça a toujours été donc la grosse inquiétude des supporters du dossier marocain. C'est aussi apparemment une inquiétude de la FIFA. Hervé. Bonjour les amis, comment allez-vous? Oh, attention, le dossier pour la Coupe du Monde, très 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 serré. Ça fait très longtemps que je vous le dis, le grand problème de toute l'équipe du Maroc, ça va être de pouvoir arriver à ce vote du 13 juin parce que la FIFA va tout faire pour essayer de légèrement favoriser, et quand je dis légèrement, je suis gentil, le dossier américain. Alors que se passe-t-il en ce moment? En sous-main, la FIFA a fait un cahier des charges, en quelque sorte, où des points très très précis sont marqués et qui sont des points qui avantagent très largement évidemment les Américains et ont tendance à mettre de côté le dossier marocain. Mais heureusement, le comité de candidature marocain s'est rendu compte de ce qui était en train de se passer et le président de la fédération marocaine a envoyé déjà une lettre à la FIFA pour se plaindre de cette manière de faire. Surtout quand on vous ajoute des points au dernier moment, il faut des villes de 250 000 personnes, il faut qu'il y ait maximum 90 minutes entre l'aéroport et la ville, etc., 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 qui sont des points faits pour écarter évidemment le Maroc de la candidature. Donc aujourd'hui, tout le monde est sur ses gardes et ce qui est bien, c'est qu'on voit que c'est en train de... Tout le monde parle de cette affaire-là. On l'a vu des papiers chez les Anglais, en France, aux États-Unis, même USA Today a bien expliqué que les Américains eux-mêmes commençaient à avoir des craintes sur la qualité de leur dossier face aux candidats marocains. Donc aujourd'hui, l'important, c'est de pouvoir passer ce cut. Il y a une bataille qui est en train de se dérouler, faut pas se mentir. Et de ce côté-là, pour l'instant, le Maroc est en train d'avancer ses pions et de montrer qu'on ne peut pas, aller avec un tel cahier des charges au vote du 13 juin. Donc, aujourd'hui, il faudra rester très très vigilant, ouvrir bien grand les yeux, mais surtout le fait de le faire savoir, eh ben, c'est aussi une manière peut-être de montrer à la FIFA, attention, le Maroc a du répondant, car du côté du dossier, c'est un dossier de qualité. Et j'espère vraiment qu'on ira le 13 juin au vote. Après, qui gagnera, on verra. Mais en tout cas, il serait scandaleux d'éliminer le Maroc avant même le vote. Voilà. L'inquiétude, c'est celle-là. Éliminer le Maroc avant bien le vote du 13 juin, Julie. Oui, alors c'est vrai qu'on en parlait avant avec Amine. La réponse de la FIFA, elle est quand même
très étonnante, en tous les cas très floue. Finalement, on nous dit... Parce qu'il y a eu une réponse de la FIFA aujourd'hui, juste voilà. Pour le rappeler par rapport Il y a la réponse de la FIFA, et donc dans cette déclaration, en gros, ce que dit l'organisation, c'est « Non, mais attendez, parce qu'en fait, il y a un système de notation, donc on vous explique la méthodologie de la notation... » Qui n'est pas rédhibitoire, et il y a des conditions. Donc du moment que les conditions sont respectées, ce système, cette méthodologie de notation... Bon, effectivement, même si ça rentre pas dans les cordes, ça peut quand même passer. Donc, je trouve que c'est très étonnant et ça montre effectivement l'inquiétude de la FIFA, à mon avis, au sujet de cette candidature marocaine. Après, Hervé, ce qu'il nous avait aussi toujours dit, c'est que on va pas mettre une charge complètement sur la FIFA, mais enfin, la FIFA reste aussi la FIFA et est aussi connue pour pas des manipulations, mais des manœuvres du genre. Donc, effectivement, faut pas s'en étonner. Et c'est une très bonne chose d'avoir réagi avant et d'avoir, en quelque sorte, un peu posé une balise en disant « Non, mais attendez, là, on vous attend sur ça, ne le faites pas, quoi, en quelque sorte. » De toute façon, même la lettre de Fawzi Al-Qajar, Moulahfed Al-Alami, quand il a reçu une délégation de journalistes étrangers la semaine dernière, juste avant le match contre l'Ouzbékistan, voilà, ça me revient, l'Ouzbékistan, il avait annoncé la difficulté de la tâche du Maroc. Il dit « Difficile de gagner un match avec un arbitre aussi subjectif et aussi favorable à l'adversaire. » C'est ça. Moi, ce que je salue avant tout, c'est effectivement cette capacité de réaction qu'on a par rapport à ce qu'on savait allait être un long chemin de croix. C'est-à-dire aujourd'hui, venir battre ce triumvirat composé donc des États-Unis en tête de poule, le Canada et le Mexique, allait être un chemin difficile, fastidieux, qu'effectivement, comme disait Julie, la FIFA n'allait pas se refaire une virginité du jour au lendemain, des scandales qui l'ont secoué encore tout récemment. Donc, Même si là, c'est pas la même problématique. Non, juste pour qu'on soit clair. Là, c'est pas vraiment. Pas du tout. Pas du tout. La FIFA a un favori, a une. Voilà, mais c'est pas. On va le dire. Pas les mêmes procédures. Je finis. Il y a pas les valises. Il y a pas les. Non, non, mais on est en train d'instaurer un système. Il y a plusieurs manières de faire. Le système, tu décides d'en faire ce que tu veux. Ce que je veux dire, c'est exactement. La finalité, c'est de filer la Coupe du Monde à celui que la FIFA a choisi. Bah, avant même que ce soit avec des valises ou sans des valises. Donc ne dise pas dès le début, assainis son système et revenons à un vote où tout le monde va avoir le choix. On ne va pas arriver au vote. On est aussi en train de faire un procès d'intention par rapport à une institution, juste sur des oui-dire pour l'instant. Donc je préfère pour l'instant, aujourd'hui, m'en tenir à la réaction marocaine que je trouve. C'est pas vraiment des oui-dire. Il y a une réaction. Bah, là, pour aujourd'hui, le coup, on ne sait pas encore. Peut-être qu'on ne sera pas éliminé avant le vote. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, aujourd'hui, je préfère m'en tenir à la réaction marocaine que je trouve à la fois salutaire et très proactive. Dans le sens où on savait que les coups de Trafalgar allaient tomber. On savait que ça allait être difficile. Mais peut-être que contrairement à avant, aujourd'hui, on ne laisse rien passer. Je trouve effectivement la position de Moulahfed Al-Alami très louable avec la réunion de journalistes. Et j'ai trouvé aujourd'hui la réaction de Fawzi Al-Qajar à travers sa lettre aussi, à la fois mesurée parce qu'on a lu ce qui a été écrit, mais salutaire. C'est-à-dire qu'il fallait le faire et on l'a fait. Et c'est très important parce que, et d'ailleurs, je trouve que Penaud le dit très bien. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut rien laisser passer, il faut crier au scandale, parce qu'il n'y a que cette manière-là, aujourd'hui, en mettant la FIFA à ses responsabilités, qu'on peut éventuellement espérer rectifier le tir. Et ça, je trouve ça très très bien, justement, de la part de notre candidature. Amine, Penaud, il passe tellement souvent chez nous que tu peux commencer à l'appeler Hervé. Non, mais moi, j'ai le respect des aînés aussi. Voire voilà. Moi, j'ai le respect des aînés, il a les cheveux blancs, il a au moins 14 ans, Penaud. J'aimerais bien partager avec vous quelques extraits de cette lettre de Fawzi Al-Qajar, où il dit que le système de notation qui ajoute des critères techniques, de nouveaux critères techniques qui ne figuraient pas dans les prescriptions transmises initialement par la FIFA a été transmis le 14 mars à 16h18, soit moins de 24 heures avant le dépôt du dossier technique de la candidature marocaine, et à peine plus de 48 heures avant la date limite réglementaire du dépôt le 16 mars à 17h. Donc, d'autant plus, une précision par rapport à ce que tu viens de dire, Fawzi Al-Qajar a dit surtout que par rapport au point précisé par la FIFA, les demandes d'éclaircissement du Maroc ont été faites le 6 décembre. Ouais. Il y a déjà plus de 3 mois et demi. Donc le scandale, il est véritablement là, en fait. C'est qu'aujourd'hui, nous avions pointé des incohérences / incompréhensions par rapport justement aux attentes de la FIFA, qu'on a demandé des explications.
depuis plus de 3 mois et demi maintenant qui ne sont jamais venus, qui viennent 48 heures avant le dépôt de dossier. Sauf que, Amine, et c'est là où peut-être le reproche qu'on peut faire à la partie africaine et à la partie marocaine, c'est que ce scoring system, il a été validé il y a moins d'un mois à Bogota, en Colombie, lors de la réunion de la FIFA. Donc, s'il fallait freiner ce scoring system et cette puissance de cette task force, il fallait le faire au niveau... En avions-nous les moyens. Parce que là, il est souverain. En avions-nous les moyens. Le conseil de la FIFA, il est souverain. Il a décidé, il ne peut suivre que ça aujourd'hui. Mais en avions-nous les moyens? Ben voilà, mais aujourd'hui, pour pas peut-être venir plus... La peur aussi... Non, je suis pas d'accord. Là, par contre, ce que tu viens de dire, cette dernière phrase, je suis pas d'accord. Non, parce que... Au contraire, seulement il faut pleurer, il faut hurler, il faut ruer dans les brancards, il faut dénoncer, parce que je trouve que, et c'est là encore où VV a entièrement raison, c'est notre seule arme aujourd'hui pour freiner Bien sûr chose. Mais donc, j'ai oui, pas... Donc, non. Juste, juste et précis dans ce qu'on dit. Juste précis dans ce qu'on dit, mon cher Amine. Amine, tu peux aller, par contre. C'est que cette candidature du Maroc, il fallait faire du lobbying par rapport, bien sûr, au choix du dossier marocain, et au choix aussi du mode de vote. Parce qu'aujourd'hui, le mode de vote, effectivement, défavorise la candidature Maroc. C'est évident, parce qu'on est en face... Toi, tu parles d'un triumvirat, on parle que des États-Unis, ils vont organiser 80% des matchs de cette... voilà, 90% même de cette... Après, si on revient sur les informations, il n'y a pas beaucoup d'informations qui ont filtré de Bogota, justement, mais en tous les cas, on a l'impression que là-bas, en tous les cas, moi, j'ai lu ce qui avait filtré dans l'équipe, notamment, ouais. Et ce qui se dit, c'est que la Confédération africaine a quand même essayé... justement, de faire un peu changer le processus en remettant notamment en cause le principe même de la mission d'observation et d'enquête. Donc, je pense que le travail, il a quand même plus ou moins été fait, mais qu'après, il y a des frontières dans lesquelles il faut forcément évoluer, en fait. Un scoring system qui est tout à fait inéquitable, affirme donc la Fédération Royale Marocaine de Football. Bah, on attend, c'est le 17, du 17 au 19, la visite de cette task force. Ça fait peur, hein. Task force, militaire comme institut. Soit en costard, Julie, soit en tri. En tout cas, parce que la task force, c'est vraiment une... voilà, c'est un mot... c'est l'intitulé d'une force militaire et surtout américaine, de l'armée américaine. On va parler, les amis, aussi de football, le vrai, le grandiose Ronaldo et le très grand Real Madrid, l'immense Real Madrid. Quel match ouais. Mais c'est surtout le Real Madrid, parce que franchement, et quand on voit un peu la première mi-temps, franchement, la Juventus ne méritait pas de finir cette première mi-temps et d'être mené 1-0. Ce match a eu trois temps, il me semble. La première mi-temps, effectivement, où la Juventus ne mérite pas de sortir avec un but dans la besace, sachant qu'effectivement on aurait pu avoir un péno non sifflé pour Dybala, deux trois actions litigieuses. Ça, c'est le premier temps, qui est donc la première mi-temps. Après les 15 voire 20 premières minutes, c'est quand même une leçon de football du Real. La seconde mi-temps, c'est le geste venu véritablement d'ailleurs de Ronaldo. On parle d'une frappe de balle, donc sur le retourné, à 2m35 du sol. Je ne sais pas si vous réalisez, 2m35. Le troisième temps de ce match-là, c'est effectivement le rouge de Dybala, où là, la Juventus prend entièrement l'eau, avec un quatrième but raté par Ronaldo, parce qu'il aurait pu mettre un triplé avec un but tout fait qu'il ne met pas au fond, sachant qu'entre-temps, il a délivré une passe décisive comme ça en passant à Marcelo. Mais ce qu'on peut retenir globalement, sans entrer dans les détails pour commencer, c'est qu'on a vu quand même une toute petite dame qui était certes amputé de Benatia en défense. Et là, on peut voir effectivement pourquoi ce qu'il est actuellement considéré comme le meilleur défenseur de la Juventus. Il est suspendu. Mais aussi de Pjanic, qui est suspendu, mais qui est le véritable catalyseur du milieu de terrain de la Juventus. Donc effectivement, tu as sur ta colonne vertébrale deux joueurs majeurs qui ne sont pas là. Mais je pense que c'est en aucun cas une raison de minorer aujourd'hui la performance exceptionnelle de ce Real de Madrid-là, qui, comme on le sait bien, commence assez mal ses compétitions, mais les finit en trombe. On parle quand même du double tenant du titre d'affilée, et qui, logiquement, quand on le voit corriger de cette manière-là cette Juventus, pourrait très bien laisser penser qu'il pourrait aller au bout, sauf si entre-temps, un Bayern, on en parlera plus tard, ou une Barcelone passe par là. City passe par là. Bien sûr, le Real Madrid qui vise
un triplé historique parce qu'on a toujours parlé du doublé, ça n'a jamais été fait auparavant. Le Real l'a fait, là, le Real qui vise le triplé. Tu disais un truc très intéressant, c'est rare, ça, mais ça arrive, Amine, il existe. C'est que le Real commence mal ses saisons, a commencé très très mal sa saison, à l'image de Cristiano Ronaldo. L'année 2018 de Cristiano Ronaldo est juste époustouflante. Le gars là, il en est à 14 buts. 15 ? Non, 14. Donc 13 et 14 en Ligue des Champions. 13 plus 1, ça fait 14. Ouais. 14 buts en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, il a réussi à avoir une standing ovation du public de Turin. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Et à la fois, effectivement, on s'imagine dans le stade et on s'imagine même supporter de la Juve et on se lèverait sans aucun problème parce que, comme on le disait, c'est forcément... Est-ce que tu penses que s'il avait mis contre le Barcelone, les supporters de Barcelone se seraient levés pour lui ? Non, je ne crois pas. On pourrait demander à Jalal, mais je ne pense pas. Effectivement, c'est un joueur exceptionnel. On l'a déjà dit et redit. On peut ne pas aimer le caractère. Il faut quand même, à un moment donné, juste s'arrêter, admirer le footballeur qu'il est. C'est évident. Après, au-delà de ça, moi, je trouve que ce Real qu'on a vu ce soir, il est probablement encore meilleur finalement que celui de la saison dernière, avec la charnière est quand même je l'ai jamais trouvé aussi imperméable que ça, enfin vraiment. Donc, avec un Varane très critiqué. Ah non, bah moi je l'ai trouvé très bon. Il était aujourd'hui très critiqué par le. Ah oui, non mais bien sûr. Mais alors après, voilà, on arrive effectivement à cette période de l'année où le Real devient le club qu'il est censé être depuis le début de saison. Après, pour la Juve en face, moi j'ai l'impression en fait qu'on en a un petit peu trop fait sur cette Juve depuis le début de la saison de toute façon. Parce que si on regarde le match précédent face à Tottenham, c'est déjà passé ric-rac. Ils ont bien joué une vingtaine de minutes, ça leur a suffi, ils ont eu de la chance. Et moi je les sentais effectivement avec les absences de Mehdi Benatia et de Pjanic, je sentais bien que ça n'irait pas très loin. Donc il ne faut pas, entre guillemets, enlever du mérite au Real Madrid qui a été époustouflant ce soir. Mais c'est vrai que la Juve, on sent la fin de course. Oui, mais au-delà de ça, je trouve quand même que... J'aimerais revenir sur un point que tu as soulevé, mais juste par rapport à ta fin de phrase. Même avec une Juve meilleure, je pense aujourd'hui, le Real aurait gagné. Parce que le Real est sur une dynamique aujourd'hui qui dure depuis 2-3 ans. Oui, effectivement, avec une expérience, avec un groupe qui... Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a reproché à Zidane ? C'est d'avoir pas modelé son groupe à l'intersaison. Ouais. Et lui, justement, il dit « Bon, j'ai un groupe avec qui j'ai tout gagné, je vais continuer. » Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il a un groupe aujourd'hui qui est très largement mature, qui a déjà tout gagné, qui peut encore gagner davantage. Maintenant, il y a un débat qui tourne depuis pas mal de temps et dont j'aimerais vraiment qu'on parle 30 secondes parce que tu as parlé de Ronaldo. Quand tu dis que c'est un immense joueur, on peut ne pas aimer à cause de son caractère. Mais qu'est-ce qu'on reproche véritablement à ce bonhomme-là ? D'avoir un excédent de confiance en soi ? Moi, je pense que c'est cet excédent-là qui a fait qu'il est champion qu'il est aujourd'hui. Mais probablement. Très honnêtement, c'est pas un monsieur qui fait des déclarations intempestives, qui rue dans les brancards. C'est un homme qui est quand même relativement connu, qu'on le veuille pas. Je parle de... C'est quelqu'un, à mon avis aussi, qui joue avec son image et qui joue avec cette image du gars. J'y viens. Je suis le plus beau, je suis le plus riche, je suis le meilleur. C'est du marketing aujourd'hui et certainement. Trois ans. C'est du marketing aujourd'hui. C'est un marketing qui rapporte et qui doit être éminemment travaillé en amont. Ce que je dis, c'est que c'est pas un monsieur aujourd'hui qui fait des déclarations qui sont insultantes. C'est pas un monsieur. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui est connu, qu'on le veuille ou pas, pour sa générosité. Ouais. Pour moi, c'est un modèle de footballeur. Et moi, il y a deux semaines, on a passé à l'extrait quand il avait été sacré joueur de l'année au Portugal. Et il disait que c'est très difficile pour un Portugais de réussir. D'exister. Ça, j'ai trouvé ça. Non, mais c'est vrai, c'est juste. Je suis désolé. Aujourd'hui. Le vieux pâteau, ça a deux balles de Ronaldo. Non, parce que ce mec-là, je trouve qu'on a quand même une image qui n'est pas vraie. Je trouve juste non, mais attends, il y a une vraie différence entre moi, Cristiano Ronaldo. Je ne le connais pas à l'extérieur. Ah, personne peut-être le connaît, que c'est un bisounours et qu'il est adorable. Ouais. Mais effectivement, il a une image qu'il renvoie. Quelle image qu'il renvoie, c'est celle de l'individualité. C'est dans l'individualisme. Un jeu d'équipe. C'est pas vrai. Oui, de l'individualisme, pardon. Ouais, voilà. Effectivement. Et donc, à un moment donné, toi, moi, Jalal, on comprend le marketing. Et effectivement, les déclarations, je suis le plus fort, je suis le meilleur, etc., on les comprend. Mais le football, c'est aussi pour les enfants. Ouais. Et à un moment donné, un enfant, je trouve que c'est effectivement plus
plus sain, quelque part, de rêver sur un joueur qui comprend le sport. C'est là où je suis pas d'accord avec toi, juste sur ton qu'un Ronaldo qui est dans l'ego démesuré. Ton postulat de base, quand tu parles d'individuel, moi, ce débat-là, je trouve salvateur. Parce qu'aujourd'hui, par rapport justement à ces gamins qui regardent ces joueurs-là, quand tu parles d'individualisme, à quel niveau ? Qu'est-ce que c'est un garçon qui joue pour sa pomme et qui veut absolument mettre des buts ? Aujourd'hui, c'est son rôle. Il est payé pour ça et très bien payé pour ça. Aujourd'hui, on va poser une question. Julie, 10 matchs d'affilée en Ligue des Champions, 14 buts, se retourner de ce monsieur-là. C'est individualiste, mais c'est magnifique. C'est pas individualiste, c'est son job. J'ai dit que c'était un immense joueur. Il est taillé joueur. Pour le job. Aujourd'hui, ce mec-là, il aurait joué deux crans plus bas sur un terrain, il aurait été constructeur et dont le job aurait été de mettre des passes décisives. Il aurait certainement été moins individualiste parce qu'il aurait été taillé pour ce job-là. Mais aujourd'hui, c'est un avant-centre, c'est un mec qui est payé pour marquer des buts. Et ben, il fait en sorte de marquer des buts. Et moi, je ne peux pas reprocher. Amine, sa position, elle a changé par rapport aussi à son âge. Bien sûr. Parce qu'avant, il créait le jeu. Il a l'intelligence maintenant. Benzema a marqué plus de buts. Il était aujourd'hui, cantonné. Tout le monde est là pour que lui plante des buts. Et il fait bien tant le boulot. Tant au Sporting qu'à Manchester United, ce monsieur Mela a toujours joué même sur la gauche. Même en Real. Non, mais c'est ce que je dis, au Sporting. Parce que Saka est au Sporting, Manchester, plus Real. Il était cantonné sur une aile où, effectivement, où il marquait moins, où il devait davantage pénétrer puis servir. Là, avec l'âge, effectivement, il s'est un peu plus décalé vers le cœur de l'attaque. Mais qu'est-ce qu'on lui demande à ce mec-là ? Pourquoi est-ce que Florentino Pérez et le Real Madrid le payent si cher ? C'est pour mettre des buts. Il est en train d'exploser. Pas assez cher et c'est ça le c'est pour lui. Mais ce gars-là, je crois que c'est le meilleur buteur maintenant de l'histoire du club, effectivement, et de la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, il remplit très largement son contrat. On ne peut pas le taxer d'individualisme. Il est payé pour être individualiste. Maintenant, en dehors de l'équipe où il est, bah, humainement, apparemment, ce gars-là, bah, c'est un bonbon. C'est un mec généreux. C'est un mec qui est beaucoup dans le caritatif. Enfin, c'est un... Et puis, même, tu parlais des gamins. Aujourd'hui, je trouve qu'il renvoie une image extraordinaire. À l'heure, aujourd'hui, où on glorifie pas travailler, enfin, aide-moi un petit peu, Julie. Tu vois ce que je veux dire, c'est mais on glorifie pas le fait de ne pas travailler. Le talent, c'est-à-dire quelqu'un qui se base d'abord plus sur son talent que sur le travail. Lui, c'est un travailleur. Voilà, sur le côté un peu branquignol, ben, ce mec-là travaille. Travail. Mais personne ne glorifie un branquignol. Ben si, aujourd'hui, c'est plus. Mais qui fait ça ? Ça le fait bien. Ben, la société. Ça le fait bien de réussir sans rien faire. Enfin, bref. Aujourd'hui, je trouve que ce mec-là, c'est un exemple. C'est un exemple, tant sportif qu'humain. Et. Bravo, quoi. On a de la chance de voir évoluer deux extraterrestres. Bien sûr que oui. Bah, rien que sur ça, je dis merci. Messi, bien sûr. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui, on peut le dire, Lionel Messi ne devrait pas être nommé dans ce débat. C'est horrible pour lui, quoi. Ce gars, il met le geste de l'année aujourd'hui et au final, on termine notre débat. Je vous dis parce que ce mec-là n'existe que parce qu'il y a Messi et vice-versa. Tu imagines Messi sans Ronaldo ? Mais il le dit lui-même. Il dit que s'il n'y avait pas Messi, je ne sais pas. Si j'aurais pu me maintenir à ce niveau. C'est une humiliation extraordinaire. C'est une évidence. Et pour les deux. Hein, parce que c'est une évidence. Il a 33 ans. Émission, il n'y aurait pas eu Reda, Julie. Mais qu'est-ce que tu l'aurais fait ton émission ? Je l'aurais pas fait. Tu n'aurais pas existé ? Je l'aurais pas fait. J'aurais arrêté le journalisme depuis longtemps. Le Real a tout gagné ce soir. La Juventus, c'est vraiment un nouvel échec du football italien, ce football italien qui disparaît de la Coupe du Monde, qui est éliminé de la Coupe du Monde, la Juventus, Buffon. Franchement, c'était la soirée gâchée. Ils espéraient prendre une petite revanche peut-être pour l'un des derniers chocs entre Buffon et Ronaldo. C'est complètement raté. La Juve a aussi, surtout en seconde période, moi je trouve, a rendu la tâche des Madrilènes beaucoup plus facile. Beaucoup plus simple. Mais moi, j'ai trouvé, même en première mi-temps, je suis pas tellement d'accord. En fait, moi, j'ai trouvé que globalement, ils ont créé quand même beaucoup d'occasions. Il y a eu un super Keylor Navas. Il y a eu beaucoup d'occasions. Le pénalty non sifflé de Dybala, qui a pris d'ailleurs un rouge après. Oui, effectivement. Donc ça change le premier jour de la simulation. Et d'ailleurs, il y a eu quand même énormément de simulations dans cette première partie. C'est devenu même à un moment donné un peu grotesque. Moi, j'ai trouvé de la part des Turinois. Si honnêtement, il y en avait quand même pas mal. Après. Enfin, moi, ça m'étonne pas. Je veux dire, c'est quand même très, très improbable de réussir à transformer une spirale, à inverser une spirale négative où les Chiellini, les Barzagli, ils sont quand même les bouffons. Ils sont quand même dans un fin de cycle complet. C'est même à se demander. Chaque année, on sent bien qu'ils vont faire l'année de trop et ça continue. Et malheureusement, en plus de ça, je pense qu'il y avait
peut-être, alors moi j'ai pas vraiment une grosse vision sur le banc de la Juve, mais je pense que par exemple avoir faire commencer un Blaise Matuidi aurait été peut-être un petit peu plus intelligent, enfin j'en sais rien. En tous les cas, oui, on sent cette fin de cycle, et moi je les ai trouvés à aucun moment impressionnants, et encore une fois depuis le début de la saison, sauf sur la scène nationale où, on va pas se mentir, la Serie A, c'est quand même loin d'être le meilleur championnat européen. Ouais, mais là, c'est là où je suis pas d'accord, Julie, parce que pour deux raisons. Quand la Serie A, c'est le meilleur championnat non, européen. Non, mais sûr que non, là où je suis pas d'accord, c'est par rapport à Jalais, quand tu parles de désillusion, il t'y a suivi dans la foulée. Aujourd'hui, la Juve a fait une finale de Ligue des Champions. Certes, ils ne sont pas qualifiés en Coupe du Monde, mais ce n'est pas la Juve. Hein. C'est l'équipe nationale qui n'est pas constituée que de joueurs de la Juve. Maintenant, l'horreur de cette compétition. Les cadres sont des joueurs de la Juve. Mais l'horreur de cette dont compétition. Les cadres, dont les leaders sont les joueurs non, de la Juve. Non, pas forcément, non. Ouais, bah, bien sûr, c'est vrai que Buffon, ce n'est pas le leader. Mais Buffon, à la rigueur, c'est la défense l'année dernière. Buffon, c'est le moins significatif dans cette équipe-là. Aujourd'hui, on peut parler de Vera. Pourquoi Verratti ne serait pas. Enfin, bref, ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire par là aussi, l'horreur de cette compétition, c'est le tirage au sort. Ouais. Aujourd'hui, ils ont le malheur de tomber sur un Real qui est en pleine bourre. Ça aurait pu être le Barça, parce qu'ils auraient pu aussi prendre Séville ou ils auraient pu prendre. C'est pas un Real qui est en pleine bourre, c'est un Real qui est en pleine bourre depuis un match. Voilà. Non, en Ligue des Champions, aujourd'hui, je pense qu'ils sont véritablement lancés. Mais même cette équipe de la Juve, et comme tu l'as rappelé, Julie, déjà sa qualification. Oui, était laborieuse contre Tottenham. C'était ultra laborieuse. C'est même à se demander comment Tottenham a raté ça. Vous vous donne l'affiche de la finale de la Ligue des Champions. Ah bon? Barça Real, et vous allez voir. On va se retrouver les amis dans un court instant pour la seconde partie du club. Et Barça Real, ils ne sont jamais rencontrés à ce stade de la compétition. Ça serait juste magnifique. On se retrouve dans un instant. Bienvenue les amis dans cette seconde partie de votre émission, le club j'allais dire du Real Madrid. Donc le Real s'est bien comporté ce soir et a fait un énorme pas, monstrueux pas vers une qualification pour le dernier carré, tout comme le Bayern de Munich. Une victoire en déplacement, 2-1 à Saint-Etienne-Pizjuan face au FC FC Séville qui avait réussi un exploit en sortant Manchester United en huitième de finale. Là, ça a été un peu trop compliqué pour les Sévillans. Ça a été presque pas si compliqué que ça. Enfin, en fait, au final, ils ont quand même énormément bousculé le Bayern sur la première période. C'est vraiment un coup de chance pour le Bayern d'arriver à l'égalité à la fin de la première partie. On a vraiment senti cette équipe allemande en vraie difficulté. On sent là, comme on en parle très, très souvent, et pour le Paris Saint-Germain et pour le Bayern, le manque de compétition sur la scène nationale. Hein, ça se sent dès qu'on a une équipe comme ça. En plus, Séville, c'est vraiment une équipe qui dérange et puis qui est jolie à voir. Quoi. Ouais. Enfin, vraiment, ça fait du bon boulot et ça a presque failli passer. Sauf que voilà, l'expérience après, sur la deuxième partie du match, ben, le Bayern s'est installé calmement, tranquillement et a fini par En fait, les Sévillans ont tenu une petite demi-heure. Après, ils sont un peu écroulés face à cette machine allemande. Victoire méritée. L'équipe qui semble bien partie pour sa cinquième demi-finale en 6 ans. C'est aussi la 12e victoire consécutive. C'est un record pour Jupp Heynckes, le gars qu'ils sont allés chercher, sortir de sa retraite. En fait, on va se répéter, ce qui vaut pour le Bayern, vaut pour le Real, vaut pour des grands clubs historiques comme ça, qui ont dans leur ADN justement ces compétitions-là. Je lisais une interview de Tolisso, l'ancien joueur de... Pardon. De Lyon. Tu lis ? Ça m'arrive. C'est Amine, c'est pas Jalal. Voilà. Je disais une interview de Tolisso justement qui le jeune Odolio qui a rejoint le Bayern et qui voilà l'expliquait très bien. En fait, quand il débarque en Bavière, il est. Voilà. Il est parti les chercher loin, effectivement. J'ai mon sac avec moi et j'ai sorti les cartons parce qu'il a commencé à m'agresser. Continue ta phrase. D'accord. Donc, je disais une interview de Tolisso où justement il expliquait que ce qui l'avait frappé, justement, c'est le gap entre une équipe lyonnaise qui avait quand même gagné le championnat de France 7 fois d'affilée, donc faisait partie des grands de l'Hexagone, mais aussi des grandes d'Europe, parce que l'équipe lyonnaise a fait aussi des bons parcours en Ligue des Champions, et une équipe très grande européenne, qui est le Bayern, où tout est calibré au millimètre près. Donc aujourd'hui, tu as des équipes qui ont justement, dans leur ADN et dans leur culture, ces compétitions-là.
Et le Bayern, bah, c'est pareil. Tu peux avoir un petit Bayern, bah, tu auras un Bayern qui, comme tu dis si bien, bah, fera 5, 6 demi-finales, quart de finale, finale d'affilée. Et c'est normal. Voilà. Ouais. Et c'est normal pour eux. Que ce soit avec Upenkes ou d'autres entraîneurs, c'est normal. Quand tu vois des équipes de Bayern là, qui, où il y a toujours du Ribéry qui doit avoir 32-33 ans, ouais. Quand tu vois du Robben qui cavale encore à 34 ans, et c'est quand tu vois justement comment le Tolisso. Et quand tu vois le Tolisso en part, il te dit aujourd'hui à l'entraînement, ce que travaille un Robben à 34 ans, ouais. Bah, il ne l'a jamais vu. C'est des joueurs de 22, 23, 24 ans. Et c'est des exemples. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, si ces équipes-là sont là, c'est parce que justement, elles ont une culture en elles. Ouais. Mais elles savent aussi choisir des joueurs et les booster mentalement et moralement pour continuer à donner le maximum jusqu'à 34, 35 ans. Donc, il n'y a pas de secret finalement en football. Il y a de l'argent peut-être, mais aussi de la culture. Juste, il faudra rappeler aussi, Amine et Julie, que bah, comme le Real Madrid, le Bayern de Munich a eu énormément de difficultés au démarrage cette saison. Ont tellement de difficultés qu'ils ont dû, et pour la première fois de l'histoire du club, virer un entraîneur, Carlo Ancelotti, après une défaite contre Paris, et ramener un autre entraîneur. Et voilà, donc un début difficile, mais depuis l'arrivée de Jupp Heynckes, eh ben, ça marche. L'église a été remise au centre du village. Voilà. Oui, exactement, ça marche bien. Après, avec, à mon avis, là aussi, des choix un peu étonnants sur le match d'aujourd'hui, mais à un moment donné, il va aussi falloir qu'ils en trouvent un autre d'entraîneur, puisque d'ailleurs, Kuss, il part, hein. Il s'en va. Ce n'est pas encore officiel. Presque. Son contrat court jusqu'à la fin de l'année. Il dit qu'il ne veut pas rester. Ah, il a 74 ans. Il voulait Tuchel, mais Tuchel, il est parti. On l'annonce à Paris Saint-Germain. Je suis désolé. J'ai encore lu. Donc une belle interview de Jupp Heynckes justement, où il disait que quand il avait pris son année sabbatique, donc il avait tout fait, il avait cuisiné, il avait embêté sa femme à la maison, il avait fait du jardinage, mais que le terrain lui manquait, qu'il ne se voyait pas forcément accrocher les crampons à la fin de cette année, même si son contrat s'arrête fin 2018. Ça, c'est le scoop de la semaine. Comment me trouves-tu, Janelle ? Le scoop de la semaine, c'est que Jupp Heynckes reste au Bayern. Non, le scoop de la semaine, c'est que Amélie. Peut-être il va rester. Voilà. Non, le scoop de la semaine, c'est qu'il embête beaucoup sa femme, Jupp Heynckes. Non, mais vous rigolez. Vous rigolez ou quoi ? La plupart des entraîneurs, justement, quand on leur demande ce qui a changé dans leur vie, quand ils raccrochent les crampons et qu'ils restent chez eux à la maison, c'est leur femme qui devient folle, en fait. Parce que comme elle avait pris, non mais sérieusement, comme elle avait pendant des années, non mais très sérieusement, mais je ne rigole pas, exactement, comme pendant des années, les entraîneurs ne sont jamais là, ils partent en week-end pour jouer, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils sont tout le temps en concentration, mais les femmes se retrouvent avec leurs hommes tout le temps à la maison, et ben ça va un peu moins bien. J'ai l'impression qu'on fait bien avancer le débat. Alors moi j'ai l'impression qu'on est en train de, ce soir, le sujet c'est la Ligue des Champions, c'est de parler des matchs de ce soir et les matchs de ce mercredi. Mais Amine préfère parler des tâches domestiques et des une émission Amine. Pas comme voilà toi en fait tu veux juste Amine tu m'énerves ce soir, tu prends ce carton le carton jaune pour Amine, ça fait longtemps que tu n'en as pas pris un la Ligue des Champions avec deux clubs anglais qui s'affrontent, un duel British, Liverpool et Manchester City, un match qui promet d'être riche en buts. Il y a eu 12 buts lors des matchs aller et retour en Première Ligue, bien sûr 5-0 pour l'équipe de Manchester City face à Liverpool à l'aller, et puis 4-3 pour Liverpool au retour. C'est d'ailleurs la seule défaite à l'époque, en tout cas c'était la seule défaite en Première Ligue des Citizens. C'est des désormais en Ligue des Champions, que vont se croiser ces magnifiques deux entraîneurs, l'Espagnol Pep Guardiola contre l'Allemand Jürgen Klopp. On retrouve tout de suite notre consultant pour le football anglais, notre ami Aurélien Devernois, qui évoque ce match. Bonjour Jalal, bonjour à tous. C'est en effet un match extrêmement particulier qui se prépare pour ce quart de finale aller de la Ligue des Champions. C'est un match particulier parce qu'il oppose en fait les deux meilleures équipes de Première Ligue. Alors pas forcément au classement, parce qu'en effet c'est Manchester United qui est deuxième derrière Manchester City, mais en termes de jeu proposé, de qualité intrinsèque même j'ai envie de dire des joueurs, c'est vraiment ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en Angleterre. Et c'est un match, on va dire, qui a beaucoup d'enjeux pour les deux équipes. Alors tout d'abord pour Liverpool, parce que pour Liverpool, c'est la Ligue des Champions, c'est le seul titre que peut déclencher le club cette saison, parce qu'ils ont été éliminés de la League Cup et de la FA Cup, et que en Première Ligue, ils ne pourront pas rattraper Manchester City, c'est impossible. Donc c'est vraiment le match de l'année, ou la double confrontation de l'année pour Liverpool face à
à celui qui écrase hein, le championnat anglais depuis le début de saison. Et puis du côté de Manchester City, c'est un match extrêmement important également, tout simplement parce que Liverpool, c'est la seule équipe qui les a battus cette saison en Première Ligue. C'était début janvier. Liverpool a donné une leçon de foot à Manchester City. C'est la seule équipe hein, qui a réellement réussi à faire ça cette saison. Ils ont gagné, alors certes 4-3, mais en réalité, à la 84e minute, il y avait 4-1 pour Liverpool et on avait bien compris que City n'arriverait pas à revenir. Ils mettent 2 buts dans les dernières minutes, mais finalement, ça reste presque anecdotique, tant la prestation des Liverpooliens avait été extraordinaire lors de ce match. Donc il y a une vraie crainte du côté de Manchester City que Liverpool ait la capacité de reproduire cette performance et d'hypothéquer sérieusement les chances de City de voir les demi-finales de la Ligue des Champions pour la deuxième fois en 3 ou 4 ans. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très important. Et puis il faut bien savoir aussi que City a un autre match 3 jours après qui va être extrêmement délicat à gérer, c'est ce derby contre Manchester United. Si City gagne le derby en Première Ligue contre United, City est champion. Donc finalement, en l'espace de 4 jours, City joue quasiment sa saison, même si en effet City va être champion quoi qu'il se passe, mais 2 défaites pourraient complètement changer la dynamique du club et du groupe à l'issue de cette semaine. Donc ça va être vraiment très très intéressant de voir ce que va donner cette confrontation donc, entre les deux clubs anglais. Voilà, très intéressant de voir la confrontation entre City et Liverpool, même si tout semble porte à croire que City c'est le favori de ce match, Julie, non ? Oui, après, c'est bon, là où effectivement je suis assez d'accord avec Aurélien, c'est que c'est vrai qu'on va, à mon avis, voir un très beau match. En tous les cas, je suis très impatiente de le voir avec les deux coachs qui, à mon avis, ne vont pas changer une ligne de ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison. Donc, ça va être très rapide et tout sur l'attaque pour Liverpool et puis dans la possession pour Manchester City. Et effectivement, si on revient, on se dit c'est une double confrontation. Revoyons la double confrontation de Première Ligue. Tu l'as faite tout à l'heure. Bon, au final, ça nous donne donc 8-4 pour Manchester City. Donc, effectivement, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a regardé un petit peu de chaque côté les individualités, il semble en effet que ce soit plus facile, enfin, que ce soit un peu, entre guillemets, acquis pour Manchester City. Ceci dit, là où Aurélien a aussi raison, c'est que en 4 jours, ils ne vont pas jouer leur saison puisque le titre, il est acquis depuis bien longtemps. Mais c'est vrai qu'en tous les cas, c'est ceux qu'on attend en Ligue des Champions. C'est eux qu'on attend Manchester City. C'est eux qu'on a envie de voir face à un Barça ou un Real depuis le début. Et que du coup, à mon avis, ça donne quand même une petite bouffée d'air à Liverpool qui est le seul, certes avec Wigan et avec, je ne sais plus, le Shakhtar ou quoi, mais en tous les cas, en Première Ligue. Ouais, Shakhtar, il était déjà qualifié. Là. Exactement. Klopp est quand même le seul à avoir réussi à battre cette équipe et qui, du coup, n'a en fait rien à perdre, finalement, en comparaison avec City, qui est ultra attendu et qui ne pourrait pas se permettre de manquer une demi, à mon avis. Très cher Julie, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Comme depuis le début de l'émission. Voilà. Non, tu dis que moi, je n'ai pas forcément envie de voir City parce que moi, je suis actuellement complètement fan de Mo Salah, que j'aimerais voir au tour suivant. Et c'est paradoxal parce que là, on a un duel. Tout le monde voulait City. Ah si, c'est ce que tu as dit. Non, j'ai dit que tout le monde imaginait que ça allait être Manchester City. Depuis le début de la saison, tu me dis que Liverpool va être arrivé en finale. Non, mais moi, c'est ce que je veux. Depuis le début de la saison et qu'on voit Manchester City jouer, on se dit que c'est eux qui vont arriver en finale. Moi, je veux voir Mo Salah au prochain tour. C'est mon avis que je partage avec moi-même. Merci. Maintenant, c'est un duel effectivement british avec probablement les deux équipes. Sur la hype Mo Salah. Voilà. Tu nous as pas parlé de Salah depuis le début de la saison. Là, tu m'étonnes. Si tu n'en sais un scandale, Madame Julie, c'est un scandale. Moi, Salah part depuis la Roma, véritablement. J'ai même été à Rome et je l'ai vu jouer. Bref, au-delà de ça. C'est un duel british avec probablement les deux équipes les moins british d'Angleterre. Ouais, on est bien d'accord. Hein. Ces deux équipes. De toute façon, le football anglais n'a plus rien de british. Je peux t'assurer que si aujourd'hui Manchester United, quand tu les vois jouer, c'est bien british et c'est bien moche. C'est beaucoup plus latin, notamment du côté de City, mais on retrouve quand même pas mal de technicité du côté de Liverpool. Et là où c'est intéressant et plein de promesses, justement, c'est que c'est des équipes qui marquent beaucoup, mais qui encaissent beaucoup. Notamment Liverpool, même si elle a un peu réglé le problème depuis que Van Dijk les a rejoints. Mais c'est des équipes qui encaissent quand même pas mal de buts. Hein. Donc c'est des matchs où tu auras du spectacle et un véritable engagement de Ligue des Champions. Maintenant, je trouve que c'est bien,
d'avoir des équipes anglaises à ce niveau-là de compétition parce que ce sont des équipes qui jouent au football. C'est très important de le rappeler. Pendant très longtemps, nous avons eu, moi par exemple, quand Chelsea allait en finale de Ligue des Champions ou qu'elle l'a gagné, ou même quand elle allait en finale contre Manchester, c'est deux équipes qui forcément ne donnaient pas beaucoup de plaisir à voir jouer. Alors que là, c'est véritablement des équipes à plaisir. On parle du Real, du Barça, parce qu'on a un tropisme espagnol, mais on a aussi aujourd'hui des équipes anglaises qui peuvent, dont le niveau de jeu se rapproche, à mon sens, à ces équipes espagnoles-là. Donc c'est bien d'avoir du City, de Liverpool, du Barça, du Real et du Real. Tu verras demain. Et tu verras comment ça va encore. On le verra quand soit Liverpool, soit Manchester City sera qualifié et affrontera une autre équipe d'un autre championnat. C'est à ce moment-là qu'on verra vraiment. Mais quand tu les vois jouer ensemble, tu prends quand même beaucoup plus de plaisir quand tu vois jouer aujourd'hui un Chelsea, Manchester United. On est bien d'accord. En tout cas, il y a beaucoup de respect entre les deux entraîneurs. On va parler après de Mo Salah et de De Bruyne, mais laissons la parole maintenant à Pep Guardiola et justement à Kevin De Bruyne qui évoque ce match. C'est la séquence conférence de presse. À tout de suite. Nous sommes ici et notre meilleure performance, c'est ces demi-finales de la Ligue des Champions. Et ils ont gagné 5 finales ou 6, je ne sais pas combien de Champions League ils ont remporté. Quand les journalistes disent que nous sommes favoris, on l'accepte. J'adorerais penser que nous allons faire quelque chose. C'est la compétition. Il faut que vous le sentiez. Vous devez sentir que vous pouvez le faire. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucune chance. Bien sûr, j'ai dit aux joueurs que les gens pensaient « Oh, Liverpool, c'est dur comme ça. Barcelone serait la même. Bayern Munich, Madrid, si vous allez à Séville, c'est dur. » Au niveau des quarts de finale, c'est une montagne et cela dépend de la façon dont vous faites face à cette situation ou non, sachant bien sûr que l'adversaire est l'un des plus forts du monde. Voilà donc Pep Guardiola, l'entraîneur catalan de cette équipe de Manchester City, le chantre du tiki-taka face aux partisans d'un football, on l'appelle le heavy metal, c'est-à-dire très fort en intensité, monsieur Jürgen Klopp, qu'on écoute. That's it. It's a big game against. Nous y sommes. C'est un grand match contre l'une des meilleures équipes européennes, si ce n'est la meilleure équipe européenne du moment. Il faut être honnête, nous avons mérité d'être là. Nous sommes là et nous avons battu Man City ici il y a quelques semaines. Nous savions avant ce match qu'il était possible de le faire, mais c'est incroyablement difficile de le réaliser. Mais maintenant, nous savons que c'est toujours possible et difficile. Je n'ai jamais battu Pep Guardiola. C'était mes équipes et j'étais chanceux de les avoir et de les voir faire ce qu'ils ont fait. Et si je peux leur donner quelques conseils, je vais le faire. Mais les statistiques ne sont pas importantes. Pep ne s'en inquiète pas et je ne suis pas fier ou heureux. Ce n'est pas important. Je savais avant que ces choses-là étaient possibles et c'est pour ça que j'aime ce sport. Il est très difficile de devenir le meilleur. Si vous pouvez battre le meilleur, c'est déjà ça. Je pense qu'on peut le faire, mais seulement si nous travaillons beaucoup et intelligemment. We can beat the best, but... Voilà, duel de crack, comme bien sûr on l'écrit sur le synthé, Klopp contre Guardiola. On a parlé du match nul, une victoire chacun en Première Ligue. Mais au niveau du palmarès des deux entraîneurs, à votre avis, c'est qui mène? Il y a beaucoup plus de victoires de Jürgen Klopp face à Guardiola que l'inverse, voilà, justement. Ouais, très certainement. Par contre, ce qui m'a étonné quand tu écoutes la déclaration de Klopp, c'est cette humilité. Parce que tu l'as transparaît. Ben oui, je l'ai écouté. Okay. Tu écoutes. Voilà, vas-y, Ami. Voilà. Non, parce surtout, il parle. Des femmes, des entraîneurs, quand ils finissent leur carrière. Non, mais très sérieusement, ce qui est quand même formidable, c'est quand tu l'écoutes parler, c'est cette humilité qui se dégage de son discours. Donc, et ce qui est d'autant plus formidable, c'est qu'on va avoir droit à un match qui regroupe quand même deux entraîneurs qui semblent être faits pour leur équipe. Ouais. Oui, donc, complètement. Et c'est, honnêtement, ou alors ils sont faits pour leurs équipes, ou alors qui arrivent à façonner. Ils l'ont façonné. Oui, voilà. Oui, non, mais leurs équipes. Quand je dis fait, c'est les deux exemples. Non, je dis que semble être fait, mais véritablement, c'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a pas d'erreur de casting. Aujourd'hui, je trouve que la personnalité de Klopp va très bien avec Liverpool. Oui. C'est-à-dire que tu prends Klopp, il peut aller ailleurs, il va aussi façonner l'équipe à son image. Je trouve que Guardiola va bien avec. Aujourd'hui, un peu moins, mais surtout un peu moins. Mais Klopp à Liverpool, beaucoup plus. Oui, d'accord.
aujourd'hui même Guardiola. Je te retire le carton jaune pour cette brillante idée. Vas-y, continue. Là, ça va pas, toi, ce soir. Je confirme ce retrait parce que je suis à l'arbitrage vidéo. Je confirme ce retrait. Le VAR. Donc, voilà, dans tout ce qu'il dit, voilà, c'est surtout moi ce que je retiens, c'est cette humilité qui caractérise son discours. Et le fait qu'il sait qu'il va rencontrer, effectivement, il a raison sur un point, peut-être l'équipe la plus intéressante du moment, qui est cette équipe du City, qui provoque à la fois un jeu extraordinaire et qui a aussi des super résultats. Donc, c'est pour ça que je pense que ces deux équipes-là méritent d'aller au tour suivant. Mais bon, la dure loi du tirage au sort, encore une fois. J'aurais bien voulu qu'un Liverpool tire Séville, qu'un City tire la Juve, par exemple, parce que c'est des équipes qui méritent, à mon sens, d'aller le plus loin possible dans la compétition. En tout cas, ça sera aussi le face-à-face entre deux joueurs qui portaient les mêmes couleurs et qui brillent maintenant que Mohamed Salah avec Liverpool, ou alors Kevin De Bruyne avec Manchester City. Si Lestin et Mourinho n'en avaient pas décidé autrement, ils seraient encore sous, bien sûr, les mêmes couleurs. Deux joueurs d'exception qui portent chacun il faut dire, à sa manière leur club City pour, bien sûr. Mais non, ils portaient la même tunique, où ça? À Chelsea, bien sûr, et j'ai parlé de Mourinho. Tu l'as pas dit. Ouais, Mourinho est passé par le Real aussi. José Mourinho qui est passé. Allez, remets-moi le carton. Je vais remettre le carton en fait, jaune. Tu sais, je suis comme les joueurs parfois qui veulent prendre un rouge pour pas faire le prochain match. On va retrouver maintenant les amis. J'ai beaucoup de mal à faire cette émission avec vous. Vous êtes en super forme, surtout Amin Rahmouni. On va retrouver Aurélien Devernois qui parle de ces deux joueurs d'exception. Alors, les deux joueurs les plus attendus de cette rencontre entre Manchester City et Liverpool, c'est bien évidemment les deux meilleurs joueurs du club. C'est Kevin De Bruyne côté Manchester City et Mohamed Salah du côté de Liverpool. Deux joueurs qui ont, depuis le début de saison, affiché un niveau de jeu quasiment extraordinaire. Enfin, c'est vrai que quand on parle du Ballon d'Or, on pense toujours à Cristiano Ronaldo, à Lionel Messi, mais vraiment, en termes de niveau de jeu, de créativité, d'aspect décisif aussi, hein, c'est vraiment deux joueurs qui, pour moi, font partie du top 5 européen depuis le début de cette saison. Alors, c'est la saison de la confirmation pour Kevin De Bruyne, qui avait déjà été très bon la saison passée. C'est la saison de l'explosion pour Mohamed Salah, qu'on savait très bon. On savait, avec la saison qu'il avait fait à la Roma, qu'il avait des capacités que peu d'autres joueurs ont à son poste d'ailier. C'est vraiment un joueur qui allie cette vitesse, cette capacité de prendre des décisions extrêmement rapidement, et puis cette capacité de marquer des buts. Kevin De Bruyne, c'est un joueur qui est vraiment beaucoup plus un meneur de jeu, même si c'est dans un poste d'ailier également qu'il avait explosé en Allemagne. C'est vraiment un joueur qui a une intelligence assez rare et qui est capable du coup de jouer quasiment à tous les postes au milieu de terrain, voire en attaque. Kevin De Bruyne, c'est vrai qu'on ne l'imagine pas en attaquant de pointe, mais vous le mettez en attaquant de pointe sur un match ou en faux numéro 9, et ben il va vous marquer des buts. Vous le mettez quasiment en poste de milieu défensif, il va être extrêmement performant également. Vous le mettez sur un côté, il est bon. Vous le mettez en milieu offensif ou en meneur de jeu, le poste qu'il apprécie le plus, et il est extraordinaire. Donc voilà, c'est vraiment le joueur quasiment parfait, le joueur que tous les entraîneurs rêveraient d'avoir, mais un joueur qu'il faut être capable de bien coacher. Et c'est vrai que De Bruyne a son petit caractère également, et ça, Guardiola a su tirer, on va dire, l'essence maximale de ce joueur depuis qu'il est à Manchester City. Tout comme Klopp est capable de trouver la manière de faire extrêmement bien jouer Mohamed Salah, notamment en ayant mis en place un système de jeu qui lui convient parfaitement. Donc voilà, donc du coup, on arrive avec deux joueurs, comme on dit, en pleine bourre, deux joueurs extrêmement en forme et deux joueurs qui va être passionnant de voir s'affronter lors de la double confrontation entre Liverpool et Manchester City. Voilà, deux joueurs magnifiques, De Bruyne et aussi, bien entendu, Mohamed Salah, que Klopp n'hésite pas maintenant à commencer à comparer à Cristiano Ronaldo et à Lionel Messi. L'autre demi-finale, les amis, de cette Ligue des Champions, justement, on va voir Lionel Messi, qui a été blessé, qui est rentré en toute fin de match contre Séville, mais qui a réussi donc à remettre son équipe sur les bons rails et lui éviter sa première défaite de la saison. Alors, l'équipe du Barça reçoit l'AS Rome, et pour Fred Hermel, il n'y a pas match. Fred Hermel, bonsoir.
Bonsoir à tous, content de vous retrouver. Eh oui, je mets mes lunettes hein, pour mieux voir cette confrontation entre le Barça et l'AS Roma. Et avec cette belle vue, je peux vous dire sincèrement qu'il n'y a aucun risque pour le Barça. Je suis désolé de montrer un peu cette supériorité espagnole, mais franchement, quand on voit l'état de forme de Lionel Messi, qui a fait une entrée mais faramineuse en deuxième période sur la pelouse du FC Séville. Ce qui est hallucinant, c'est que le Barça était mené 2-0. Messi, qui avait quelques petits problèmes musculaires et qui avait été préservé par Valverde, entre en deuxième période. Et le simple effet, le simple fait d'entrer sur la pelouse, vous avez vu les joueurs de Séville reculer de 15 ou 20 mètres. Et c'est incroyable parce que la simple présence de Messi change tout dans une rencontre. Raison pour laquelle je ne vois pas comment la Roma pourrait résister à ça, pourrait résister à un Luis Suarez qui avait des problèmes d'efficacité devant le but en début de saison, mais qui aujourd'hui claque sans aucun problème. Quand vous voyez Ter Stegen qui fait des arrêts absolument extraordinaires, il est avec Oblak, le gardien de l'Atlético, aujourd'hui le meilleur portier au monde. Vous avez Piqué qui est dans un grand état de maturité. Umtiti qui n'est pas bon en équipe de France. Dès qu'il est avec Piqué, ça va mieux. Vous avez Jordi Alba qui reconnaît lui-même que depuis que Neymar est parti, il a beaucoup plus de liberté. Donc le latéral gauche du Barça est très bon, très offensif. Vous avez Iniesta qui a retrouvé ses jambes de 20 ans. Et Busquets qui était blessé depuis 3 semaines s'est entraîné depuis hier lundi. Et donc, si tout va bien, il devait pouvoir être titulaire contre la Roma. Donc, oui, le Barça sera en demi-finale. Et je peux même vous prédire que le Barça sera quasiment qualifié dès demain soir après le match aller au Camp Nou contre la Roma. Désolé pour les Italiens, mais la différence de niveau est trop flagrante pour qu'il y ait quelque espoir pour eux. Voilà, donc il n'y a pas débat. Il a tout dit. On ne va pas en débattre. Non. Merci beaucoup, Julie. Ciao, Jalal. On va te retrouver la semaine prochaine. Merci à Amine. Carton rouge, on ne va pas te retrouver la semaine prochaine. Eh bien, je vais te dire, mon cher Amine, va jardiner et va embêter ta petite famille. Merci, les amis. On va se retrouver tous ensemble, sauf lui, la semaine prochaine. Ciao.